Troubled and sleepless, younger wake him up. Lion the rest of you, he go touch and tell. Now which kind wahala be this year? Aye. Troubled and sleepless, he go wake him up. Monica day, oh no, he come find him trouble. If in a trouble you want to, Monica get him plenty. Wait till you find her, Monica get him plenty. If in a wahala you find her, Monica get him plenty. Princess, tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère. Elle nourrit cette prisonnière au palais. Une prisonnière de rien du tout. Une prisonnière? Oui. Celle qui m'avait attaqué l'autre fois quand j'étais en route pour chez toi. Toutefois, je ne veux pas parler d'elle ici. Elle n'est pas importante. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Et pourquoi tu es là? Toi, tu rejettes mes appels. Moi? Tu côtoies une fille dans ce village. Je pense que je ne le sais pas. Regarde, je ne vois personne d'autre. Je suis juste occupé avec mon travail. Es-tu sûr? Honnêtement. D'accord. Toutefois, je suis venue ici pour enlever un peu de stress. Ok, d'accord. Il se peut que tu m'aides. Peux-tu m'emmener un peu d'eau à boire pour le stress? Le jus ou quoi d'autre? Peu importe, ça va m'aller. D'accord, je te l'apporte bientôt. Ok. D'accord. Quelqu'un? Ewo, ma reine. Vous êtes là? Oh, je vous en prie, entrez à la maison. Non, ne te dérange pas, ça va. Mais je suis venue en paix. Et qu'aimez-vous cette visite? Je fais de tout mon mieux pour faire sortir ta fille du prison. Il est vrai que mon mari est très dur et têtu. Je ferai tout pour la faire sortir de là. Elle sera libre, ok? Ma reine, que mon Dieu vous bénisse. Ok, qu'il vous bénisse abondamment. C'est bon, ça suffit. Mais tu sais que ce que ta fille a fait est très mauvais. Elle a totalement tort. Elle n'aurait pas dû faire ça. C'est très méchant. C'est bon. Ok? Je prends ça. Ne t'inquiète pas à propos d'elle. Elle va très bien. Utilise ça pour prendre soin de toi et des autres enfants. Merci beaucoup, ma reine. Merci infiniment. Ne te dérange pas en venant au palais. Je veux que ce soit privé. Voilà pourquoi je suis venue personnellement. Personne ne sait que je suis là. Ok. Ok. Je crois que je dois partir. Ok. Laisse-moi t'accompagner dans D'accord. ce cas. Pas de problème. Au revoir, je Lolo. Dois vraiment faire vite. Merci. Merci beaucoup, Lolo. J'aimerais te présenter à mon père. Je veux que tu les rencontres. Vraiment? Wow! En tout cas, je voudrais les rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Très bien alors. Merci. Ok. Qui est là? Qui est là?
Hein? Qui est là au juste? Mais qui est là? Ouvre ce portail. Je frappais depuis et tu m'avais laissé dehors pendant longtemps. Je vais voir ma sœur. Un instant, vous êtes qui d'abord? C'est quoi cette question? Ma sœur est en prison ici, je veux la voir. Va-t'en s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je veux voir ma sœur la prisonnière. J'ai dit va-t'en, ce n'est pas possible, va-t'en, hein. Quelle autorité tu as pour me dire de partir, c'est quoi ça? Va-t'en, 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 sors, 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 va-t'en, va-t'en, maintenant, sors, va-t'en. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là-bas? Laisse-moi. Il ne veut pas partir. C'est bon. Non, pars d'ici. Va-t'en, va-t'en. Méfiez-vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit qu'il veut voir la prisonnière. Qui es-tu et pourquoi veux-tu voir une prisonnière que j'ai incarcérée? Monica est ma sœur. Votre Majesté, elle est innocente. Et pour moi là, devrait être aussi arrêté. C'était comment? Devrait être aussi arrêté. Laissez-moi. Jeune homme, réalises-tu que tu t'es tenu devant le roi du royaume Umwezi? Hein? Je veux que ma soeur soit libérée. Laissez-moi. Garde, amenez-les dehors. Non. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. On les chasse. On les chasse. Va dehors. Va dehors. Idiot. Il est un homme totalement venu déranger les gens ici. C'est quoi? Tu es un fou. Libérez ma soeur. Revenez ici. Ouvrez ce portail. Igwe. Hey! Monica est innocente. Hey! Libérez-moi ma soeur. Ma soeur est innocente. Hey! Hey, Emeka, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Il y a un problème? Peux-tu t'imaginer? Imagine le roi ordonna à ses gardes de me jeter hors du palais. Quoi? Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi il fait ça? Depuis qu'il a arrêté ma soeur, je ne l'ai pas encore vue. J'étais allé là-bas pour la voir. Et puis, il a ordonné à ce que... Oh, mon Dieu. Hey! Mais pourquoi non? Pourquoi pourrait-il poser un tel acte? Même les prisonnières ont des visiteurs. Oui, oui. Bien sûr. Hein? Mais tu es allé la visiter, non? Ouais. Écoute, ils ont même le droit d'appeler des avocats. Oui. Avocat. Pour des questions traditionnelles. En fait, je voulais dire, je suis en train de suggérer. Et c'est juste une suggestion. Non, hein, gare. Garde ta suggestion. Vraiment, toi aussi, qu'est-ce qui ne va pas avec... Ah, tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu sais, c'est le pari. La question traditionnelle, tais-toi. C'est quel genre de suggestion, ça? Tout ce que tu peux suggérer, c'est un avocat. Qu'est-ce qu'il y a? Juste une suggestion. Avocat, pour la question traditionnelle. Mais ce n'est qu'une suggestion. C'est à prendre ou à laisser. Tout le monde se sert des suggestions. On enlève, on ajoute, on enlève. Et puis on gagne. Hein? C'est comme ça qu'on fait. C'est le pari qui rentre ta tête. Alors tu ne peux rien suggérer de bon. Alors laisse-moi réfléchir. Mais pourquoi tu es comme ça, non? On te donne même des suggestions et tu ne veux pas les prendre en compte. Hein? Est-ce qu'on agit comme ça vraiment? Hein? C'est pas bien. Aussi, qu'est-ce qui t'a fait penser à un avocat? Ce n'est qu'à toi de voir, à prendre goût à laisser. C'est juste une suggestion. Quand je te donne ça, tu mets en place ou pas. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? C'est comme ça. Ça peut réussir. Hey. Louer un avocat. Votre Majesté, je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. Et pour ton information, j'aurais dû demander au garde de la frapper sérieusement. Votre Majesté, s'il te plaît, libère la fille.
Libère-la et laisse-la partir. Pourquoi tu la gardes là-bas? Elle doit me dire qui est-ce qui s'est masqué pour attaquer les membres du royaume. Votre Majesté, cela n'est pas nécessaire. Nous devons plutôt trouver cette personne en masque et lui demander qui l'a payé pour venir agresser la princesse. Enterrons ces problèmes. Nous devons enterrer ces problèmes une fois pour toutes. Lolo, tu t'entends? Je me rappelle la manière dont tu étais agité face à cet acte barbare. Et tu as donné à Akene un ultimatum de 2 jours pour amener le promoteur de cette barbarie. Et qu'elle a bien fait son travail. Et maintenant tu te tiens pour me demander, enterrons ces problèmes, enterrons ces problèmes, enterrons ces problèmes. Hein? Hein? Maintenant écoute-moi. C'est moi qui suis le roi ici. C'est moi qui prends les décisions ici. Ni toi, ni personne d'autre ne peut m'arrêter. Le mascotte est un esprit. En tant qu'humaine, nous ne pouvons pas porter un jugement contre les esprits. Je ne sais pas pourquoi ces problèmes t'intéressent autant. Si tu la laisses partir, la paix va régner dans ces palais. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Tu n'as pas de preuves. Pourquoi tu la retiens? Laisse-la partir. Donc, maman, elle a... Maman, écoute, ces conneries doivent s'arrêter. C'est toi que je respecte, oh. C'est toi que je respecte. Et Mika, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Maman, peux-tu t'imaginer? Le roi a ordonné à ses gardes de me jeter hors du palais. Qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? Pourquoi tu étais allé au palais? Je t'ai allé voir ma soeur, non? Voir ta soeur? Ouais, je veux qu'elle soit libérée. Non, Mika, calme-toi. Ça, ce n'est même pas un problème pour lequel tu dois te battre contre le garde du roi. Calme-toi. Et laisse-moi te prévenir. Ne pars pas là-bas pour aller compliquer la situation. Laisse la reine faire ce qu'elle peut pour nous. Emeka, je t'ai interdit. Tu me préviens, maman. Oui. J'ai dit mon opinion. Écoute, tu vas le palais là, ils me verront là-bas tous les jours. Tu vas le roi là. Maman, j'ai dit mon opinion. Emeka. Emeka. J'ai dit mon opinion. Emeka. J'ai tiré mes oreilles pour toi. Regarde comment ces garçons me cherchent les problèmes. Maman, regarde. Calme-toi un peu. Regarde comment ces garçons. Voyez-moi cet idiot. Je ne vais pas croiser les bras. Et Meka, je te préviens, ne te rends plus au palais. Ikena, mais qu'est-ce que je fais? Maman, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Calme-toi. Je suis en train de travailler dessus. Tôt ou tard, les choses iront mieux. Calme-toi. Hein? Bon, calme-toi. Ikena, ces calme garçons, Emeka va tout gâcher, je t'ai dit. Ça va, maman. D'accord. Maman, calme-toi, d'accord? Calme-toi. Ok. Ok. C'est bon, calme-toi. Merci beaucoup, mon fils. Emeka! Emeka! Sors et viens me trouver ici. Ok. Alors, comment va mon prince charmant aujourd'hui? Tout le monde va bien. Alors, as-tu quelque chose à manger aujourd'hui? Pourquoi? Veux-tu que j'envoie mes servantes pour te donner quelque chose à manger? Non, c'est pas dans un mauvais sens. Tu sais que je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu sais que je t'aime et je ferai tout pour toi. D'accord, prends soin de toi. Je t'aime. Es-tu en train de me douter? D'accord, j'envoie mes servantes. Merci. Ciao. Ma reine, vous avez envoyé me chercher. Oui, je t'ai appelé. Prends ce téléphone. Remets-le à Monica au cas où elle aura besoin d'appeler quelqu'un, surtout sa mère, ou quelqu'un d'autre, qu'elle utilise ses téléphones pour contacter les gens. Ok? Oui, ma reine. Dis-lui que mon numéro de téléphone est enregistré là-dedans.
Si jamais elle a besoin de moi, elle n'aura qu'à m'appeler. D'accord? Oui, ma reine. Écoute et écoute très bien. Si quelqu'un se rend compte que je suis très gentille avec Monica, je te tiendrai pour responsable. Oui, ma reine. Que personne ne soit au courant de ça. D'accord? Oui, ma reine. C'est bon, pars. Merci, votre majesté. Papa, avant que nous puissions manger, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi. Ok, continue. J'aimerais te présenter quelqu'un de spécial. Bien, ça c'est intéressant. C'est qui? C'est un agent de l'État. Il est du royaume de Mucchese. Oh, ça c'est intéressant. Le royaume de Mucchese, c'est à quelques kilomètres d'ici. Oui, papa. Il travaille dans l'une de nos écoles ici. Oh, ok. Oh, ça c'est bien. Lolo, à quoi tu penses, ma chérie? C'est bien. C'est bien. C'est bon. Lolo, tu vas bien? Il n'y a rien, ça va. Il peut venir, c'est pas mauvais. Merci papa, merci maman. Mangeons. Oui papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a refusé la nourriture, votre majesté. Quoi? Elle, pourquoi? Elle dit qu'elle veut manger la patate. Elle ne veut pas manger les riz. Une prisonnière fait aussi sa demande. Qu'elle veut les ignames, la viande et aussi le jus. Mais c'est quoi ça? Votre majesté, elle dit que... qu'elle veut la voir aussi rapidement. Sinon, elle l'ouvrira sa bouche pour parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa bouche court si elle en a besoin? De quoi on se mêle? Je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Va préparer cela pour elle. D'accord? Et fais-le rapidement. Oui, votre majesté. Tu sais qu'on est censé l'aider. C'est une prisonnière. Et sa mère n'est pas là avec elle. Hein? Va faire rapidement ce qu'elle a demandé. Oui, votre majesté. C'est bon. Allô, Monica. J'ai entendu ta demande. Oui. Quoi? Que je le fasse moi-même? Ok. J'ai été entendu. Pas de problème. Tu les auras dans quelques minutes. Oui. Ok. Mais c'est quoi ça? Hein? Je deviens prisonnière dans ma propre maison? I am shivering, shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo.
Je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle dort pendant que moi je ne dors pas. J'insiste et rappelle, mais elle ne décroche pas. Elle doit décrocher son appel. Si elle veut couvrir sa nullité. Oh, mais moi, je suis fidèle. Elle ne l'est pas. Elle ne veut pas être fidèle. Elle refuse de prendre mes appels. Elle ne décroche pas. Oh. Ok. Puisque je suis fidèle, je ne vais pas crier. Je ne crierai pas. Je ne crierai pas. Elle ne prend pas. Voilà encore, c'est rejeté. Lolo. Qui m'appelle à cette heure? Lolo. Tu dormais puisque tu ne réponds pas. Pourquoi m'appelles-tu à cette heure de la nuit? Veux-tu réveiller le roi? Non, tu es la seule amie que j'ai dans ce palais. Je sais que tu es mon amie, mais tu aurais dû m'appeler au téléphone. Oui, oui, tu ne prenais pas l'appel, c'est pourquoi j'ai voulu faire résonner ma voix. Je n'avais pas entendu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mon amie. Mon amie. Désolée. Hein? Je vais avaler. Avaler? À cette heure de la nuit. Hey, peu importe, oh, il n'est pas question de temps ici. Oh. C'est déjà minuit passé, il est presque une heure. Hey, il n'y a pas de souci. Je mange à tout moment. Quand mon ventre commence à bouger, à chanter, je dois manger. Oh. Est-ce que les dames mangent à cette heure de la nuit? T'inquiète, fais comme si c'était un homme. C'est un homme. Dans ces palais, on ne mange pas à cette heure. Je vais avaler. Donne-moi d'abord à avaler avant de me conseiller. Oui, je vais avaler. Mon ami. J'ai parlé à l'un des cuisiniers pour qu'il efface et la porte. Non, votre honneur. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non. Et quand ils préparent, ils mettent beaucoup d'épices, beaucoup de sel. J'aime ta main, tu le fais bien. Tu prépares bien. Mais quelle raison vais-je pousser en allant à la cuisine à cette heure pour préparer? Il est une heure. Ok.
T'as raison, c'est fait tard. Ok, va dormir, je peux gérer. Seulement quand j'aurai très faim, je ne saurai plus me maîtriser. Je me mettrai à crier. Non. Ok, ne le fais pas. Je m'en vais, c'est pas à la cuisine. Mais c'est pas bien. Comment peux-tu manger à 7h de la nuit? Amène d'abord la nourriture. Quand j'aurai mangé, tu peux me conseiller. Attends, que femme, tu dois contrôler ta façon de manger. Je m'en vais à la cuisine le faire. C'est juste pour aujourd'hui. Ma copine, copine. Ma reine, ma reine. Je dois partir. Lola! Maman, tu viens d'où? Oh, j'étais allée derrière, j'avais entendu le chien aboyer, donc je devais vérifier ce qui se passait. À 7h? Bien sûr. C'est étrange, donc je devais vérifier pourquoi il aboyait. Et alors, regarde. Je ne sais pas, sûrement ils sont en train de dormir. Donc, je n'ai plus le droit d'aller vérifier quand je sens quelque chose de bizarre. Et toi, pourquoi es-tu debout jusqu'à 7h? Tu devais déjà dormir? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très soif. J'étais partie prendre de l'eau à boire. Va le prendre. Et arrête d'inspecter partout. Va prendre de l'eau. Monica. Ta nourriture est là. Lolo, ma meilleure amie. J'espère que tu as fait bien ces bangalas et que tu l'as préparé toi-même. Non. Est-ce que... Oui. Est-ce que je peux rentrer me coucher? Non. Goûte-les en premier. Quoi? Essaies-tu de suspecter que j'ai empoisonné la nourriture? Non. Jamais. Alors quoi? Non. Je te fais confiance. Je veux juste que nous mangeons ensemble. Ça donne de l'appétit. Goûte juste une bouchée. Moi, je suis très gentille. Allez, ma mère a ouvert le sachet. Il a pris une bouchée. La voilà. Elle veut mettre dans la soupe. Allez. Ne finis pas ma viande. Prends un petit morceau. Oui, les petits, oui. Et la soupe. Prends la soupe. Ok, je te fais confiance. Ça va maintenant. Ok. Je peux partir. Dès que j'ai fini, je t'appelle pour enlever les assiettes. Pas de problème. Mon ami. Lola. Trouble the sleepers. You go wake him up. Monica Jane, oh no. Find I'm trouble. If you're not trouble, you want to. Bien, ma fille m'a beaucoup parlé à propos de toi, que tu travailles aussi dans une grande école de grammaire et aussi tu es originaire de Umuchize, c'est ça? Oui, sa majesté. Oui, et c'est ça. Qui sont tes parents? Mon père est mort. Et ma maman est l'une des grandes autorités d'une des universités du Nigeria. Ça, c'est bien. Et aussi, je suis désolé pour la mort de ton père. C'est pas un problème. J'espère voir ta maman un jour. Comme bon vous semble votre maman. Maintenant, pouvons-nous manger? Oui, papa. Ouais.
Délicieux. Je sais que ça va te plaire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu manges bien? Je suis très contente. Oh oui, j'ai apprécié mon Dieu. Ça. En tout cas. J'ai vu que mon père t'a apprécié. Je l'apprécie aussi. Donc très bientôt, il sera ton beau-père. Puis-je voir les prisonniers du palais? Tu veux dire que tu veux voir cette folle imbécile Monica? Princesse, arrête d'insulter les Peu gens. Peu importe. Viens, je te montre cet imbécile. Monica, j'étais venue rendre visite au roi et à l'occasion, je suis passé te voir. Viens, on se débrouille. On se débrouille. Comment va ma mère et mon frère? Ils vont bien. Et je crois que ton frère s'inquiète plus de toi. Ah, c'est lui-là. À la nature de la pastèque. Laisse tomber. Mais tu leur manques beaucoup. Il me manque le plus. Et toi, tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi. Et tu me manques. Si il est vrai que je te manque, tu dois commencer déjà à penser comment quitter ici. Monica, je t'aime. Hein? Je suis en prison. Oh. Arrête de me dire ces choses. Qu'est-ce que tu discutais avec cette prisonnière? Elle n'est pas une prisonnière. C'est plutôt ton père qui l'a gardée ici pour maintenir son apologie. Qui s'inquiète pour son pardon? Je souhaite qu'elle reste toujours là. Princess. Oui? Que veux-tu de moi? Tu ne m'as pas été claire face à ta mission sur moi. Qu'est-ce que je veux de toi? Je t'aime. En fait, j'aime tout de toi. Je ne peux pas passer une journée sans pour autant penser à toi. Alors, tu dois prouver ton amour pour moi. Nomme-le. Dis tout et je le ferai pour toi. Tant que ça prouvera mon amour pour toi. Ça, c'est vraiment exagéré, hein? Comment est-ce qu'on peut captiver la fille d'autrui de cette façon? Femme, voilà l'état des choses présentement. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais même pas ce que je peux dire.
Est-ce qu'ils ont même pu prouver quelque chose? Genre, avoir une preuve que c'est elle qui avait fait ce genre de choses. Ils ne font qu'agir aveuglément sur le témoignage d'Akuna. Là, juste en fonction de ce qu'Akuna a dit. C'était Akuna est vraiment très méchante. Elle est sensible. C'est vraiment écrit sur elle. Qu'est-ce qu'elle gagne maintenant que Monica est emprisonnée? Qu'est-ce qu'elle gagne exactement? Hein? Elle a de la chance. Elle a de la chance que je ne l'ai pas vue. Si je la vois, hein, ce que je lui ferai, elle ne va pas l'aimer. Elle a de la chance qu'elle est confinée dans ce palais. Elle n'est pas vraiment gentille, cette fille. Hein? C'est quel genre de méchanceté? Alors, à propos de toi, comment est-ce que tu vas? Ma sœur, ce n'est pas facile. Ma sœur me manque, ça fait longtemps que je l'ai vue. Ce n'est pas facile, non? Mais avec ce genre de choses, qu'allons-nous faire maintenant? J'ai de la peine pour toi, oh. T'inquiète. Hein? Ça va bien marcher. Ma sœur me manque. Chai. Elle me manque. Tu sais qu'elle est mon amie. Elle me manque aussi. Maman, hein? Monica va bien. Et elle se porte bien telle que la reine l'a dit. Bien. Ikena. Maman. Ils t'ont permis de la voir? Bien sûr. Ils t'ont laissé la voir? Oui, maman. Maman. Oui. Chai, ma fille me manque. Maman, je ferai tout ce qui est possible pour la libérer. Ne vous en faites pas. Ikena. Hein? Ikena, s'il te plaît. Je t'en prie pour l'amour du ciel. Fais tout ce que tu peux pour la faire sortir de là. Je t'en prie. Cette visite n'est pas assez. Oh, fais tout ce que tu peux. D'accord, maman. Ne t'en fais pas. Hey, ma fille, ma fille. Hé, hey, oh. S'il te plaît, fais tout ce que tu peux. Oh? Maman, je respecte toujours mes paroles. Je les ferai telles que je te les promets. Merci. S'il te plaît, elle me manque. Ça fait maintenant une semaine, elle me manque. Mon amour, tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Ne te dérange pas, je vais bien. Tu ne l'es pas. Tu es timide aujourd'hui. Écoute, dis-moi c'est quoi le problème? Tu sais que je suis prête à tout pour toi, pour que tu sois juste content. Demande au roi de libérer la fille qui l'a emprisonnée. Pourquoi? Oh, tu vois, tu ne peux pas le faire? Est-ce difficile pour toi de le faire? Cette fille est en train de manquer à sa famille. Ils ne vont pas bien. Tous se sont traumatisés du seul fait de savoir que votre père va la juger et va la condamner. Je le dirai à mon père, mais je le fais juste pour toi. Si ça ne dépendait que de moi, cette fille allait rester en prison. Merci. Merci, j'apprécie cela. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bon, soit. Ok, bien sûr. Souris maintenant. Bien sûr, je suis heureux. Je suis heureux. Merci beaucoup. Ok. Je suis merci. Mais c'est quoi? Tu as vraiment l'air malheureuse, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Monica. 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 Qui est Monica? La fille qui nous avait vue l'autre jour. Elle est de mon royaume. Je crains qu'elle aille dire à Igwe nous concernant. J'ai peur. Écoute-moi un peu. N'est-ce pas toi la reine? Quoi? Michael, c'est un meurtre!
Je ne peux pas faire couler le sang. Il y a des garçons partout dehors qui peuvent faire ça. Ou bien tu veux avoir la chance de faire face au roi. Ne t'inquiète pas, viens, laisse-moi te calmer un peu. S'il te plaît, Michael. Je ne suis pas d'humeur. Je croyais qu'il y avait une urgence. Ok. Bien. Il y a une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est? J'ai finalement obtenu mon visa. Quoi? Ouais, dans 2 mois, je vais quitter le pays. Waouh! C'est bien. Je suis très contente pour toi. Félicitations. Merci. Oh, c'est vraiment bien. Je suis contente. Merci. Redresse-toi un peu. Nous devons célébrer ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste un verre de vin, c'est tout. Très bien, très bien, très bien. Waouh, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment contente. Allô, jolie fille. Regarde, s'il te plaît, mignonne. Quoi fille. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, un instant. Est-ce que tu es de ce, oui, de ce village? Une minute. Je m'appelle Okechuko et je voudrais faire connaissance avec toi. S'il te plaît, ne pars pas. Je te parle, je viens de loin juste pour te parler, s'il te plaît. Allô? Aïe! Même si tu ne peux pas me donner ton nom, mais s'il te plaît, retourne-toi et parle-moi quelque chose. Oui! Mon nom est Angela. Aïe! Angela! Une mignonne fille! La brillante Angelina! Regarde-moi comment tu bondis par derrière! Ouh, mon Dieu! Oui. Aïe! Ah, cette fille! Ah, si je te prends! Je vais t'engrosser! Avec ce genre de corps! Avec cette forme! Je vais te tirer! Aïe, aïe, aïe! Aïe! Waouh! Waouh! Et avec tout ce qu'elle a dans son corps, c'est ce qu'on appelle la nourriture des hommes. Si seulement elle s'ouvre comme ça. Angelina! Ouh, Emeka doit apprendre ça. Emeka doit écouter ça. Je ne vais pas les laisser passer. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît, laisse-la partir. Tu m'as toujours promis de me rendre heureuse. Fais cette chose pour moi, papa. S'il te plaît. Bonjour, maman. Comment tu vas, ma chérie? Bonjour, votre majesté. Lola. Oui, votre majesté. Tu y as finalement influencé ta fille de venir me demander de libérer cette fille arrogante. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Hein? Vraiment? Je n'ai rien à voir avec ça. Maman, s'il te plaît, laissez-la partir. Sinon, il n'y aura pas de paix dans cette maison. S'il te plaît, maman. Tu l'as écouté? Non, mais est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai entendu, votre majesté. Mais c'est la vérité. Laisse partir la fille. Pour qu'il y ait la paix dans ces palais. Je veux que la paix règne. La paix et la tranquillité. Pour qu'on puisse être à l'aise. Tu dis que son nom c'est Angèle. Exactement. Oui, oui, c'est son nom. Aïe. Regarde, tu es chanceux. How? Tu veux dire quoi?
Je vois que tu veux maintenant traiter avec les grandes dames. Écoute, la fille là que tu as vue est revenue d'Aba. Tu sais que la fille là ne s'arrête pas pour les gars. Je te dis, tu es chanceux. Oh. Comment? Ah, mon frère, tu veux dire quoi par là? La fille là est revenue d'Aba. Et elle a joui de la vie. Elle a mangé avec des grands. Aïe! Tu ne connais pas qui sort avec elle? Non, je ne sais pas. Et Kenne, non? Notre président. Ah, notre chef. Et tu sais que le frère de Kenne est à l'étranger. Donc il reçoit de l'argent par devant, par derrière. C'est donc, vrai ça. La fille ne va pas là-bas. Aïe! Hein? Je ne perds rien, si tel en est le cas. Je vais attendre et ce qu'il va se passer entre eux. Quelquefois dans la fille, une fille cherche à avoir un homme dans un frère en dehors du pays. Et tu sais, regarde mon jeune frère là, il étudie en dehors du pays. Je vais partir. Tu comprends un peu? Le Togo, c'est l'étranger. Quel Togo? Est-ce que Togo, c'est le Nigeria? N'est-ce pas l'extérieur du pays? Ça même. Tu connais bien le Togo. Laisse-moi te dire, notre agent a plus de valeur que le leur. Et tu te glorifies ici. Vraiment, ce gars, comment est-ce que je suis arrivé à te connaître? Mon frère à l'étranger, nous ne sommes pas au même niveau. Hey, ton frère est au Togo, tu en es joyeux. Togo, hein? Mais même si tu en es le cas, regarde. Et tu sais, notre lit là, ça va aider. On va manger d'abord. Tu as faim, mais je t'ai dit. Tu ne veux pas manger, tu veux draguer Angèle. Regarde, tu vois comme cette fille-là, elle a beaucoup de points. Tu comprends ce que je veux dire? Toi qui n'as pas mangé, ça fait 2 jours. Mon frère. Aïe, aïe, aïe. J'avais parlé à mon père à propos de Monica. Oh. Et qu'a-t-il dit? Ce n'est pas facile comme tu le penses. Tu lui as dit que c'était moi qui étais à la base? Non. Il va tenir une réunion avec son cabinet demain. Ils vont délibérer à propos. Oh, merci. Merci beaucoup. Et surtout, je suis vraiment désolée pour tout l'escasse que je t'ai fait, moi. Ok, je fais tout pour toi. Merci. De rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai choisi de faire confiance à cette fille? Seigneur, mais pourquoi j'ai fait confiance à cette fille? Je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Je dois les arrêter. Oui, ils ne peuvent pas faire ça. Je dois faire quelque chose. Oui, je dois agir. Oui. Attends, non, chérie, attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi attends, tranquille. Écoute ce que j'essaie de dire. Hein? Tout cet argent que j'envoie à mon frère après sa sortie de la prison, il me le retournera. Oh, donc c'est pour ça que tu ne peux pas me donner 10 000. C'est pas ça. Un simple 10 000. Chérie, c'est pas ça. 10 000, c'est rien. Tu sais que je t'en avais donné plus que ça, non? Hein? S'il te plaît. Ekene, dis-moi un peu, mon gars, c'est comment? Comment vas-tu? C'est comment chez toi? Ah oui, je voulais t'informer. L'argent est déjà prêt, oh. Combien tu as maintenant? C'est 500 que je vais te donner maintenant. Le reste, je te donnerai plus tard. S'il te plaît, rassure-toi que tu me donnes le reste des 500 000, s'il te plaît. C'est bon. Je ne veux pas de disputer, je n'ai pas la force pour me battre. Ça va aller, Kenny, pas de soucis. Tu sais que je ne peux pas te chercher des problèmes, non? Nous allons arranger ça. D'accord. De quel argent parle-t-il?
pour ma voiture. Quoi? Donc, Ekele, tu as quand même vendu cette voiture? Tu as vendu cette voiture? Vraiment? Bébé. N'essaie même pas, ne me touche pas. Hein? Fou. Bébé, mon miel. Mon rayon solaire. Mon bébé. Viens, allons-y, je te donne ton argent. Viens. D'accord. Au lieu que tu dépasses encore cet argent sur elle, allons-y, on y va. Pourquoi est-elle partie? Elle ne peut pas rester impunie, mon roi. Parce qu'elle est coupable. Mais elle refuse de demander une grâce. On peut même lui demander une amende. Ou mieux encore, nous pouvons lui demander de faire pendant 10 jours un travail pour la communauté. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Monica ne peut pas continuer à rester là-bas. Encore moins faire des travaux communautaires comme punition. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à Ekoumo de répondre à cette question. Ah. Comment pouvons-nous interroger l'instrument de Dieu? Je me demande. Ça, c'est une affaire familiale. Un problème de famille. Ça n'a rien à voir avec les hommes du roi. Mais Mazé, écoute un peu ça. Est-ce que nous avons vraiment bien compris ce que Lolo a dit? Oui, j'ai compris. Mais dans la situation où le roi n'a rien dit, qu'attends-tu à ce que je dise? Je pense que tu as raison. C'est une affaire de famille. Ouais. Hmm. Donc c'est mieux qu'ils règlent ça eux-mêmes. Voilà. Oui. Tu as vraiment raison. Bon, je vais à la maison. Allons-y, non. Bébé. Oh, bébé, ça me revient. Je voulais te demander, comment est-ce que tu sais que Monica est derrière ce qui était arrivé à Kuna? Tu ne me fais plus confiance. J'ai fait mes recherches. Tu vois, Akuna a puni Monica pour avoir manqué de respect à la princesse. Donc Monica que je connais aimerait définitivement se venger. Donc soit elle a porté elle-même la mascarade ou bien elle a payé quelqu'un pour le faire. Waouh! Comment sais-tu tout ça? J'ai rencontré Akuna et elle m'a tout dit. Donc selon son explication, Monica est la principale suspecte. Waouh! Je t'aime bébé parce que tu es très intelligent et sage. Je t'aime aussi bébé. Tu es aussi intelligente et belle. Merci. Bébé, je voulais te demander quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Bébé, j'ai besoin de 10 000 seulement. Je te le donnerai, je pensais même que tu allais dire 100 000. Mais bébé, tu sais, tu peux toujours ajouter. Définitivement, je te ferai un bonus. Aussi longtemps que tu me fais des bonus dans le lit, tu auras aussi des bonus dans ton compte. Oh mon Dieu, chérie. Mon seul rayon solaire. C'est moi. La seule pour qui mon cœur se bat. C'est moi. La seule qui fait régir mon cœur. Je t'aime. Mon âme, ma chérie, tu es si jolie. Allons-y. Trouble sleep, you go wake up. Trouble sleep. Je suis heureux que tu sois finalement ici. Ah, n'était pas facile. Hein. Ils ne voulaient pas me relâcher. Ils m'ont fait faire des travaux forcés. Raconte un peu comment a été l'expérience là-bas. Je n'apprends pas de force. À moins que je sois libre. Je comprends.
Et cela doit te permettre d'arrêter tout ça, sinon tu vas encore retourner là-bas. Retourner encore où? Quand on n'a pas les bons sens, une fois en prison, les bons sens coulent de soi, de la tête jusqu'au sol de la prison. Que Dieu te bénisse, ma mère m'a dit tout ce que tu as fait, comme effort, pour que je sois libérée. Merci. Merci. Je t'aime, Monica. Je l'ai souhaité. Je t'aime aussi. Je t'aime. Tu sais, la manière dont tu le dis n'est pas du tout romantique. Je suis timide. Allez, s'il te plaît, ne le dis plus. Ne le dis plus, ça me fait la honte. Tu m'as dit que tu m'aimes. Moi, c'est Dieu qui te t'aimait, c'est ça. En tout cas. Allez, arrête. Madou. Mm-hmm. Je crois que je peux te faire confiance. C'est pourquoi je te dis ça. Ok. Nous devons filtrer certaines personnes de notre groupe. Ce groupe des mascarades de Comment. Ouais, Igwe a finalement libéré la fille sans découvrir celui qui a orchestré le mauvais acte. Ouais, mais je ne vais pas croiser les bras. Je dois toujours dénicher la personne parce que nous devons arrêter ça pour éviter que quelque chose de pareil se produise encore dans l'avenir. Mais pourquoi est-ce que le roi a libéré cette fille, hein? Mais pourquoi il a eu à faire ça? C'est sur base de quoi? En tout cas, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. La fille a décidé de ne rien dire à moins que la mascarade des poumons est produite. Ha! Est-ce qu'elle est malade? Mais comment elle peut dire une telle chose? Et ça veut dire simplement que si la mascarade des poumons n'est pas produite, afin de pouvoir trouver l'auteur définitivement, Igwe va encore me convoquer. Tu vois mon point? Hey, ok. Alors, comment proposes-tu que nous poursuivons l'affaire avec les personnes que nous sommes en train de suspecter? Comment veux-tu qu'on poursuive cette affaire? Je vais vraiment être franc avec toi, ça sera vraiment difficile. Tu sais, étant donné que c'est toi le numéro 1, il y a vraiment une jeunesse prominente. Qui a vraiment à dire? Je suis le président. Mes paroles sont définitives. Ok. On se calme d'abord. Tu viens de dire que tu me fais confiance, c'est pourquoi tu me dis ça. Alors, je serai vraiment honnête avec toi. Okay. Ils ont de la diplomatie. S'il te plaît, n'essayons pas juste de parler en tant que chef et des choses comme ça. Ça sera un peu... Je sais vraiment de quoi je te parle. Je t'ai entendu, mais nous devons enlever les mauvaises herbes. Oui. C'est important. Ça m'étonne. Tu n'as pas du tout l'air d'une personne qui a passé quelques temps en prison. Non. Pas du tout. Maman, j'avais dit ça, oh. J'avais dit ça. Mais vous ne vouliez pas me croire. J'avais dit toutes ces choses. Et voilà maintenant que je l'ai réalisé. J'ai commandé tout ce que je voulais. Monica, comment l'as-tu fait? Cette reine, qui a un très mauvais cœur, comment as-tu fait pour qu'elle commence à t'aimer? Je n'ai rien fait de grave. Même sa copine est tombée sous mon charme. Hein? Ah oui, elle est tombée sous mon charme. Sais-tu qu'elle m'avait donné de l'argent? Elle t'a donné l'argent? Oui. Particulièrement sa copine, c'est là que tu as été signée. La favorisée. Hi, Ikenna. Maman. Ikenna. Maman. Cette fille, Monica. En tout cas. Chai. Ma reine, je tenais à te dire merci. Bien que j'étais enfermée dans cette cellule de la prison du palais, mais tu as continué à me donner de la nourriture. Merci. C'était gentil. J'espère que tu connais très bien la raison pour laquelle je l'ai fait. Je sais. Mais j'ai dit quand même merci. Donc, tu n'as pas à me remercier. Non, je dirais merci. J'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit non, ce ne serait pas intéressant qu'une femme comme toi perd son mariage, perd le mari qu'il aime beaucoup, pour un homme qui n'a de plus valeureux que son ventre. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Jamais. Hey, merci beaucoup. En une condition. Et quelle est cette condition? Ne te ramène pas si bas. Laissez ton prince charmant pour aller sortir avec un bourreau.
C'est mauvais. C'est de l'adultère. Admettons que tu sois attrapé par une autre personne et qu'il commence à te faire des chantages pour profiter de la bonne nourriture. Tu seras dans le trouble. Faut plus le faire, ne le fais plus. Je ne le ferai plus. Mm-hmm. D'ailleurs, je m'étais dit d'arrêter de ne plus le faire. Et j'ai arrêté. C'est bien. Oh, tu es gentille. Oui, je sais. Merci beaucoup. Merci. Mm-hmm. Oh. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je te remercie. Ok. Ma sœur, si tu as vu la colère de la fille là, ici, elle criait. Hé, elle parlait la grammaire, le vocabulaire. Est-ce que le feu sort de ses yeux quand elle crie? Parce qu'elle est princesse. Je veux la frapper, hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant? Elle n'a rien dit, elle ne faisait que parler le français, la grammaire, le vocabulaire. Elle tonnait. Non, c'est la folie. Mais la fille a déchiré mon bordereau. As-tu gagné? C'est pas encore sorti, je viens juste de le jouer. Il avait eu 2 côtes, 4 côtes, 10 côtes. Et je ne sais pas si je vais gagner les 12 côtes que j'ai jouées. C'est ça qui m'énerve. J'allais étrangler la fille là. Que vais-je faire? Je ne sais même pas trouver de l'argent. Dis-le lui. C'est pas à cause de toi, je ne sais pas ce que tu lui as fait. Emeka. Emeka. Ah. Emeka, réveille-toi. Il a quoi? Emeka, il y a un problème. Problème? Un sérieux problème. Il a quoi? Tu connais ce garçon, Ekene. Ekene et ses hommes ont emporté des mascottes à un autre endroit. Tu n'as pas appris ça. Ah. Comment? Mais je t'ai dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ekene? Quel est au juste son problème? Est-il le seul présent que nous avons dans ce village? Allons là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas juste aujourd'hui? La princesse aussi est venue déchirer le bordereau de mon pari. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est Lila. Vraiment? Ok, allons-y. Donc c'est ça mon frère. Donc c'est vraiment comme ça. C'est quoi ce que je viens d'apprendre? J'ai pas compris. Tu as changé l'endroit des poumons en tant que ton bien ou bien le bien de ton père. Quel est ce genre de question inutile et bidon? Qui es-tu pour me confronter? Je suis le président des jeunes de ce village. Je suis le leader des mascaras des poumons. Personne ne peut m'empêcher quand je décide de faire ce que je souhaite faire. Que ça te soit clair. Mon frère, arrête tes bêtises là. Laisse-moi te dire, tu n'as aucun droit de faire ça. Regarde-le. Qui es-tu? Qui parle? Il fallait au moins le laisser d'abord finir ce qu'il disait. Tais-toi. Et pour toi, nous n'allons même pas nous occuper de toi. Nous parlons entre nous les membres. Ça, c'est entre le membre. Tais-toi. Puisqu'ils ne veulent pas m'écouter, partons. Ouais, allons-y. Tu veux aller où, toi? Pour prier pour toi, afin que tu sois intelligent. Parce que si tu me touches encore ici, je jure, tu n'aimerais pas ce que je te ferai. Et arrête là. Pour qui te prends-tu? Tu vas bien, tu es malade. Va retourner, tu veux dire quoi? Si tu me touches, au fait, si un d'entre vous traverse cette ligne, vous n'aimerez pas. N'osez même pas traverser cette ligne, n'osez même pas. Ce que je ferai. Tu penses qu'on est venu pour s'amuser, hein? Tu penses qu'on s'amuse? C'est pas comme ça, vous ne comprenez pas? Restez là, ne cherchez pas de problème. Tu veux toucher le feu? Je te respecte. Arrêtez ça. Laissez-nous partir. Et c'est quoi là? Laissez-nous passer. Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Laissez-nous. Mais c'est quoi comme ça? Laissez-nous passer. Laissez-le. Je te respecte. Oh, princesse, je ne te croyais pas ici. Comment oses-tu? Tu ne faisais que rejeter mes appels. Oh, je suis désolée. D'ailleurs, j'allais te rappeler, mais bon... Ferme ta gueule, toi sale menteur. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce que j'entends n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois cet imbécile qu'on appelle Monica.
As-tu une affaire avec elle? Oui, j'ai une affaire avec elle. Quoi? Tu m'as utilisé? Tu m'as utilisé pour ton propre bénéfice? Tu m'as utilisé pour libérer cette fille du palais? Tu ne m'as même pas donné une opportunité de m'expliquer. Écoute, personne, je répète, personne ne peut t'avoir excepté moi. Personne né d'une femme ne peut t'avoir excepté moi. Mensonge. Mensonge. Oh, tu es venue seule. Où sont passés tes gardes et tes servantes? Si je t'attrape maintenant, laisse-moi te dire. Si ce n'était pas à cause de cet homme qui est juste à côté de nous, j'allais t'attraper, te battre, te soulever, te mettre sur mon épaule ici. Personne ne viendra te sauver de mes mains. Ikena. Ne me dis pas ce genre de choses. Cette souris doit être recadrée. Elle n'a pas de manière. Si tu rencontres un homme comme celui-ci, avec ses torses musclés, qui n'a pas de sein, tu lui parles n'importe comment. Si tu ne sais pas respecter cet homme, ces grandes taches qui est ici devant, un homme en tout et pour tout. Confirmé. Ikena, tu as permis à cette fille de me manquer du respect? À qu'est-ce que tu parles? Tu l'as fait? À qui? À moi? Si ce n'est pas à cause de cet homme, elle ne te respecte pas, ne le comprends-tu pas? Elle te parle n'importe comment, elle ne contrôle pas sa bouche. Pourquoi? Cette fille essaie de me défier. N'ose pas, oh. Je t'écraserai. Tu vas sentir mon père et moi. Et c'est tout que je ne suis pas la princesse de ce royaume. Qu'est-ce que tu feras? Approche! Tu vas sentir mon père et moi. Qu'est-ce que tu je vas te faire? Dis. Comme tu craches le venin, avale-moi. Avale-moi. T'es prends pour cul. Es-tu une déesse? Approche, non? Viens. Tu ne sais pas respecter les gens qui ont déjà des cheveux blancs sur leur tête. Approche! Approche, non? Tu as vu ça? Tu as vu? Faut pas rester silence. T'es un homme. Comporte-toi en homme. Ne permets à personne de jouer de toi. Je sais. Maintenant, je dois aller à l'école. Tu ne dois pas la laisser te manquer de respect comme elle le fait. Sois un homme. À tout à l'heure. Tu me comprends? T'es un homme. Ne la laisse pas faire. Je vous en prie, calmez-vous. Ne me demande pas de me calmer. Cette fille m'a humiliée. Moi, la princesse de ce royaume. Ils m'ont utilisée comme une feuille de je ne sais quoi et puis ils m'ont jetée. Non. Non. Ma princesse, essayez de vous calmer, je vous en prie. Nous finirons toujours par trouver une solution. Pense qu'elle peut avoir ce qui m'appartient. Est-ce qu'un papillon peut être en compagnie de oiseaux? Est-ce que la nourriture du palais peut être donnée aux chiens? Pas du tout. Ta sœur est en train de pénétrer ma concession. Je vais déclencher une guerre contre elle. Elle n'a rien fait, non. Ferme ta gueule! Comment parles-tu pendant que je parle? Désolé. Où est votre maman? Elle n'est pas là. Bien, comme elle n'est pas présente, tu vas consommer la punition de toute la famille. Ma princesse! Fouettez-le. Ouais. Aïe!
Alors, après tant d'années comme ça, tu veux me dire que tu n'es plus du tout intéressée. Michael, juste comme ça. Michael, je suis mariée pour l'amour du ciel. Je suis fatiguée. Tu étais déjà mariée avant de me rencontrer. Comment oses-tu hausser les tons sur moi? Je suis la reine des royaumes. Et parle-moi de tout ça. Personne ne t'a retiré tout ce que tu es. Tu sais quoi? C'est fini cette relation. J'en veux plus. Je suis fatiguée, ok? Donc, fais ce que tu veux. Ne le fais pas demain, fais-le aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, j'en ai ma claque de tout ça. J'en veux plus, c'est fini. Mais qu'est-ce qui ne finit pas? Pitié. Je suis fatiguée. C'est fini. J'arrête. J'en ai plus qu'assez de cette relation. J'en vais plus. Fais ton chemin. J'arrête tout ça. Je dois mener une vie normale, une vie décente. Je reste avec mon mari et mon mari seul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Fouteuse. C'est quoi ça? Et ça, c'est ce que nous allons leur dire lors de la prochaine réunion. Je pense que c'est vraiment ça, mon roi. Nous devons être vraiment, vraiment spécifiques. Je crois que nous devons faire les choses comme ça. Oui, oui. Ouais, laisse-moi, voilà. Ne me touche pas. C'est quoi cette bêtise? Reste loin de moi. N'ose pas me toucher. Mon roi, mon roi. Monica, qu'est-ce qu'il y a? Igwe, maintenant que tu me vois là, mon cerveau est vexé. Mon corps souffre, me pousse à aller me battre, Cette princesse, j'ai comme envie de la battre maintenant. Je vais en finir avec elle. Monica, est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu réalises que tu parles au roi? Je ne veux entendre maintenant, papa. Je suis vexé. Pardon. Personne ne réalise ce que ma famille est en train de subir. Je veux que le roi les comprenne. Je ne veux plus la voir avec mon petit ami. Si je la vois avec mon homme, ça sera terrible, ça sera terrible. Présentement, je suis vexée. Monica, mais c'est quoi avec toi? Est-ce que... Ancien. Hey! Princesse, je ne savais pas que tu allais paraître si faible en prenant l'homme de cette demoiselle. Qu'as-tu fait à sa famille? Papa, elle m'a piqué mon homme, l'homme que j'aime, Adézé. Qu'as-tu fait à sa famille? C'est ça la question, donc réponds. Je voulais juste leur faire comprendre que personne ne peut prendre ce qui m'appartient. Je vais t'empêcher de continuer à voir ces messieurs. Bien dit. Papa Ikena est mon homme. Et je ne laisserai pas cette fille insensée le prendre. Hors-toi de ma vue. Dégage de là. Disparais. Maintenant. Pars. Tu vois ce que tu m'as donné? Parfois, je me demande si mon sang coule dans ses veines. Parle là-bas. Parle à ta fille. Parle-lui. Comment oses-tu? Comment pouvais-tu m'utiliser pour libérer cette fille du palais? Tu t'es joué de moi.
je ne me suis pas joué de toi. Je l'aime. Je l'ai aimé depuis la première fois que je l'ai vu. Mais tu ne m'avais pas donné la chance de t'expliquer. Expliquer quoi? Je t'avais aussi présenté à mon père. Il t'avait apprécié. Il voulait que nous soyons ensemble. Je suis désolé de te décevoir et toi et ta famille. Comment oses-tu? Je suis la princesse. Personne ne peut bafouer mes paroles. Même pas cette chose que tu proclames être celle que tu aimes. Salutations, Ikena. Salut. La princesse exige ta présence immédiatement. Je pense que tout va bien. Ça ne va pas. Elle était tombée et elle s'est fait mal. Elle ne va pas s'élever jusqu'à ce que tu viennes. Elle est tombée de l'étage. Il s'est cassé la cheville. Comment? Bon, d'accord, je te suis. Laisse-moi finir ici, ok? Je fais tout. Tu ne peux pas faire attendre la princesse. J'ai dit que j'arrive. D'accord. I am shivering, shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. I am shivering, shivering. I am shivering. Elle est tombée de l'étage et puis elle s'est cassée la cheville. I am shivering, shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Abba, où est-ce que tu vas? Monica? Et la princesse est tombée de l'étage, elle a voulu me voir. D'accord, je vais d'abord la... Elle est tombée à un moment, et je me précipite d'abord pour la voir, oui. Elle est tombée. Elle dit que tu dois y aller. Exactement, telle comme elle a informé, oui. Ça paraît très sérieux. Exactement, c'est pourquoi je me précipite d'aller un peu tôt. Donne-moi de l'eau avant de partir. De l'eau? Oui, donne-moi l'eau pour qu'en rentrant, je sois en mesure de bien marcher. S'il te plaît. Monica, Monica. Hein?
ouvre la porte. C'est quoi ça que tu racontes même? Que j'ouvre la porte pour que tu y ailles. Es-tu docteur? Es-tu membre de l'association de corps médical? C'est l'île sur lequel tu dors. Est un lit d'hôpital. Hein? Monica, s'il te plaît. Es-tu psychiatre? Es-tu médecin de nerfs solides? Je te pose la question, non? Tu veux aller là-bas comme qui? Membre de la famille? Elle a dit qu'elle ne va pas se lever s'il ne me voit pas. S'il te plaît, laisse-moi la voir et c'est tout. Ok, laisse-la au sol. Quand il sera 18h et quand il aura très faim, il se lèvera de ses sols d'elle-même. Est-ce que tu m'entends? Monica, hein? Ouvre la porte, s'il te plaît. Je t'ai posé de question, j'ai besoin de réponse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas ce qu'une femme désespérée peut faire. Maintenant, je te sauve de main d'une princesse malicieuse. Est-ce que tu me comprends? Monica, s'il te plaît. Je n'ouvrirai pas cette porte. Désolée. D'accord. Je ne partirai plus maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Moi. Ouvrir la porte pour toi. Je n'ai pas assez d'énergie pour rester te surveiller ici. Je dis que je ne partirai plus. Moi non plus, je ne partirai plus. Pas sinon, je ne te laisserai pas partir chez cette désespérée de princesse. Reste là. Monica, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie moi aussi. Je ne te laisserai aller. Je ne peux jamais te libérer. Allez voir cette princesse. Sur quelle relation? Es-tu son pédiatre? Il devait déjà être ici à 7h. Ma princesse, je vous en prie, calmez-vous. Ne me dis pas de me calmer. Je veux qu'il soit à moi seul. Ma princesse, je crois que j'ai un plan. Ok, vas-y, parle-moi. Maman Ikena est l'homme que j'aime et personne ne peut me le ravir. Mais ce jeune homme ne t'aime pas du tout. Il m'aime, maman. Je le vois dans ses yeux, dans ses mots et ses actions envers moi. C'est juste cette fille de la rue, Monica, qui ne veut pas qu'il s'approche de moi. Pourquoi tu m'as l'air désespérée? Tu parles comme si c'était fini pour toi. Comment peux-tu te battre à cause d'un homme? Pendant qu'il est là-bas dehors, il y a des milliers d'hommes qui seront prêts à faire n'importe quoi juste pour t'avoir. Pourquoi ne pas prendre un et faire de lui ton homme? Maman, j'ai déjà trouvé l'homme que je désire. Et cet homme, c'est Ikena. C'est incroyable, c'est désespérant. En tout cas, débrouille-toi. I am shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. I am shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Sais-tu que certaines personnes dans cette vie sont très idiots et insensés? Pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas cet idiot d'Ikena que la princesse a décidé de changer sa vie pour le meilleur en l'aimant? Mais il envoie tout ça à la poubelle à cause de cette villageoise de Monica. Hakuna, mon ami. Quelle coïncidence. Je te cherchais pour te raconter un truc. Mais dire quoi? Tu sais, tu es la plus proche de la princesse de nous toutes dans ce palais. Conseille-lui de jeter l'éponge au sujet de ces vauriens. Oui, ils ne sont pas de même classe, ils ne sont pas de même standard. D'ailleurs, c'est très visible qu'il est amoureux d'une autre personne. Est-ce par force? Donc tu veux qu'elle laisse tomber cet homme à cause de cette villageoise? Hein? Hakuna, sois sage, non? Ouvre-toi, ouvre ton esprit. C'est un jeu bien calculé des gens de classe mature. Mon ami va faire ce que je t'avais demandé. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Pars!
Trouble they sleep, you go wake up. Trouble they sleep, the younger wake up. Lion the rest, you go. Maman, regarde, Monica, c'est une âme parfaite. Oui, si tu vois Monica, tu vas l'aimer. Écoute, Monica, je l'aime beaucoup. Non, pas la princesse. Je ne t'ai jamais dit que j'aime la princesse, maman. C'est juste une amie. D'accord, maman. Maintenant, tu m'avais promis de venir me rendre visite. Maintenant, quand est-ce que tu viendras? Allô? Qui est là? Ok. Je cherchais dans toute la maison, il n'est pas là. J'ai tourné dans toute la parcelle. Ses portes sont restées ouvertes. Hein? Monica, tu essaies de dire qu'un des travailleurs de l'État a disparu? Je n'ai pas dit qu'il est disparu, maman. Est-ce qu'un homme aussi comme lui peut disparaître? Un homme dans tous ses sens. Mais rappelle-toi, il avait dit qu'il viendra dîner chez nous. Maman, il n'est pas comme ça. S'il ne vient pas, c'est louche. Son téléphone est fermé. Cette princesse... Non. Ne pars pas là-bas. Okay. Vérifions d'abord, ok? Ok. Ne pars pas là-bas. Maman, d'habitude, il n'est pas comme ça. Même quand il a une urgence, il me dit. Il me l'a toujours dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Son numéro n'y passe pas. Son numéro n'y passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris que tu étais au palais. Tu avais un souci avec ma fille. Oui, Lolo, il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Ça fait déjà des jours que Ikena a disparu. Je tiens à notre relation. Je ne vais pas le faire parce que je tiens à notre relation. Si je le fais, c'est tout le village qui sera au courant. Que veux-tu dire? Ikena a disparu? Il est disparu. On ne le voit nulle part. Je ne sais où le trouver. Je ne sais pas. Tu comprends? Si je me fâche et que je sors le pire en moi, c'est tous les villages qui vont en souffrir. C'est tous les villages qui vont en souffrir. Non. N'agis pas. Laisse-moi d'abord parler à mon mari. Ok. Parle avec lui. En ce qui me concerne, je connais la personne qui a kidnappé Ikena. Tu suspectes qui? Ok. À cette personne, je lui donne le temps. Pendant ce temps, on saura entre moi et lui qui a plus de folie avant que je mette mon plan en action.
Laisse-moi rentrer rapidement à la maison et causer avec mon mari. Tu me demandes de descendre. Mais nous avons fini de causer. Ouh, ouh. Mon frère l'international. Je suis là, on dit quoi? Mon frère, tu vas bien? Je venais juste vers toi là. Oui, oui, c'était pour mes 200 là. Oui, de cette fois là. Tu peux me le remettre, je suis venu pour ça. Hein? Ah, mais celui-là, non, celui que tu m'avais demandé de jouer pour toi ces jours là, non? Hein? Tu vas bien? Le pari dont le bordure a été déchiré ou lequel? Mon frère, est-ce que j'ai mal parlé? Non, mais dis-moi, non, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Que tu perds la tête. Hein? Y'a quoi? Attends. Emeka. Ne dérange pas avec ton problème. Emeka, attends. Je t'ai tenté juste pour l'argent. Je te comporte comme ça. Je t'ai tenté. Hé, Emeka, je t'ai juste tenté, je t'ai tenté, tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance, hein? Même si tu te comportes comme ça, nous sommes avec toi ici. Nous allons. Je comprends, tu es devenu un ennemi pour moi à cause de cette fille-là que je cherche à draguer. Ne t'inquiète pas, quand je te vais te voir, on va parler d'autre chose. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes avec ton ami? Est-ce que c'est comme ça? Merci. Votre Majesté, écoute-moi s'il te plaît. Le jeune homme qu'Adès avait ramené à la maison autrefois a disparu. Et tu as l'air calme. Et pourquoi tu penses que je dois être dérangé? Hein? Et d'abord, pourquoi est-ce que je suis en train de discuter sur ça? C'est vraiment ce que tu diras à la police si jamais il venait demander après le jeune homme? Ce jeune homme a disparu dans ton royaume. Bien sûr que je demanderai aux policiers d'interroger Adézé. Quoi? Écoute, 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 écoute. J'ai eu une longue journée avec le gouvernement. Je veux me reposer. Bonne nuit. Essaies-tu de dire que tu suspectes Adès de cette disparition? Bonne nuit. I am shivering, shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. I am shivering, shivering because of Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Ifanya Munafo. Maman, comment peux-tu avoir ce genre de pensée sur moi? Je sais que j'aime Ikena, mais je ne peux pas le laisser disparaître sans aucune trace. Ton père croit que tu as une main mise sur sa disparition. Alors réfléchis, réfléchis très bien. Dis-nous ce que tu as fait. Papa, non, non, je n'en reviens pas. J'ai déjà laissé Ikena il y a longtemps. Il ne mérite pas mon cœur. Il avait brisé mon cœur lorsqu'il m'avait déclaré ouvertement qu'il préfère cette fille de la rue que moi. Adézé. Adézé, je ne changerai pas ma position si seulement tu ne prouvais pas cela devant le public. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Si quelque chose arrivait à ce monsieur, je vais te déshériter. Quoi? Quoi? Mais papa, je n'ai rien avec cette disparition. Maman, s'il te plaît, parle à papa.
Votre Majesté, ne soyez pas pressée. Il se pourrait qu'elle soit innocente. Lolo, toi et moi savons combien elle est désespérée. Je continue à voir ses yeux désespérés. Va parler à ta fille. Va avoir une conversation sérieuse avec ta fille. Parce que j'examine minutieusement chacun de mes mots. Mon bébé. Oui, chérie, j'aime les tiens. Ouais, j'aime la tienne aussi. Mmh. Ça te plaît? J'adore. J'aime la fille qui aime la crème. Alors tu m'aimes? Ouais, je t'aime tellement. Prends. Mmh. 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 Encore. Mmh. Ça te plaît? Ah oui. Vas-y, approche. Mmh. T'as aimé ça? Oh. Bébé, je vais te gâter. Alors tu seras pour qu'on m'appelle calabilité en excès. Oh, je suis très ravie. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Mmh. Mmh, je t'aime tellement, bébé. Vas-y, vas-y, prends, prends. Oui. Prends. Bébé, on ira au club cette nuit. Je vais t'emmener au meilleur club de la ville. Ouais. Ouais, sérieux? Bébé. Alors, dans ce cas, il me faut arranger mes cheveux, rentrer à la maison, ouais, trouver une tenue. Je te connais, non, mon rayon solaire. Valeur, tu sais, non, chérie. Ma quintessence de la beauté. La seule beauté qui me donne de la joie. C'est elle moi? A le derrière, elle a le devant. Je t'aime, bébé. Haïa. Un numéro étranger? Je pense que c'est mon frère. Allô? Ouais. C'est Ekené. Ouais, c'est mon frère. Quoi? Non, 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 non. Comment? C'est pas possible. Zena, pourquoi? 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 Qu'est-ce que c'est? Comment? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est pas possible. Comment? Bébé, comment? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis quoi? Fini, je suis... C'est la police de Dubaï qui vient de m'appeler. Elle a dit que mon frère a été attrapé avec des drogues. Oh, c'est pas non. possible, je suis fini. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Je prie que ça ne soit pas vrai, je vais rappeler le numéro. Oui, oui, je rappelle. Rappel. Le numéro. Je rappelle personne. Le numéro, oui. Princesse, tout le monde te pointe les doigts. Que tu as une main mise sur la disparition de ces jeunes hommes. Si cela est vrai, relâche-le avant qu'il ne soit tard. Maman, c'est vrai? Tu as rejoint papa pour m'accuser faussement? Princesse Daisy, personne ne t'accuse. Je ne fais que te donner un conseil. Fais-le avant qu'il ne soit tard. C'est pour ton propre bien. Je ne le laisserai pas se jouer de moi. Laisse partir ce jeune homme. Laisse-le s'en aller. Si tu l'as, libère-le. Fais ce qu'il faut. Excuse-moi. I am shivering, shivering because of Ifanya Munafu. Ifanya munafu, ifanya munafu. I am shivering, shivering because of ifanya munafu. Ifanya munafu. Maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu faire? Je suis confus. Je ne sais pas quoi faire. Il demande l'argent de la libération avant de la déporter au Nigeria.
Sérieux? Ouais. Et maintenant, je n'ai pas d'argent. La seule option que j'ai est de vendre ma voiture. Quoi? Vendre ta voiture? Tu ne vas pas la vendre. Ah ah! Pourquoi dois-tu vendre ta voiture? Il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez que tu peux l'appeler une connaissance qui peut vous aider? Tous ses amis ont fui. Ouais. Ils ne veulent pas s'impliquer dans un tel cas. Donc la seule option que j'ai maintenant est de vendre ma voiture afin de libérer mon frère. Non, tu ne vas pas vendre cette voiture. Tu ne peux pas la vendre, les gens vont commencer à se moquer de toi. Non, tu veux que je commence à me balader sous le soleil? Non, je ne le ferai pas, tu as intérêt à penser à autre chose parce que cette voiture n'ira nulle part. Ah, ça veut dire quoi ça? Écoute, pense à autre chose, je t'en prie. Fais n'importe quoi, pas cette voiture. Ça ne marchera pas, tu ne vas pas la vendre. Tu veux que je commence à marcher sous le soleil, la voiture dans laquelle je me régale? Ah, tu ne vas pas la vendre. Non, pense à autre chose. Réfléchis bien, parce que cette voiture n'ira nulle part. Hé, reste là. Je savais que tu allais me regarder comme ça parce que tu n'as aucun respect pour les grandes personnes. Tu n'en as pas. Tu n'as aucun respect. C'est quelle bêtise. Je jure au nom de Dieu, si tu oses encore dire un mot, je vais te gifler. Et si je te gifle, je t'assure que ça sera chaud. N'ose pas les épaules parce que j'avais baissé tes pieds l'autre fois. N'ose pas les épaules. Que veux-tu cette fois-ci, Monica? Ferme ta sale gueule. C'est pas à toi qu'elle parle. Très bien, bravo. Dégagez-moi d'ici. J'en ai marre de ces bêtises. Tu as des jours. Des jours où tu ne vois pas Ikena. Ces mascottes vont te réapparaître. Ouvre la portière. Tu peux partir. On verra. Est-ce que tu m'entends? Toi, l'aide princesse. Est-ce que tu m'as entendu? Allez, entre. Vous verrez la guerre. Je me charge de vous. Qu'est-ce qui te fait rire? Attends d'abord. Oh. Je suis pas seulement en train de rire. Je suis en train de réfléchir hein, que tu voulais gifler cette fille très bien là. T'inquiète, sois calme. J'ai un plan. Mon ami, tu m'as beaucoup surprise. Oh. Tu m'as vraiment surprise. Écoute-moi, hein. C'est toi, Monica. Une fille courageuse. Tu te bats comme ça pour l'amour. C'est moi. Ce qu'ils auront, ce n'est pas une bataille. C'est la guerre. Ha! Je leur donnerai la guerre. Je vais tout détruire. Tout sera saccagé. Ha! Si mon homme n'est pas retrouvé, je me battrai. Mon ami! Tu te rappelles de ce jour-là, lorsque je suis venu pousser à me battre avec cette fille-là qui va piquer mon homme, hein? Regarde celle qui parle. Dépasse cette ligne. Dépasse. Essaie de dépasser. Pourquoi tournes-tu autour de mon voisinage? Ne sais-tu pas que ça c'est mon royaume? Et pourquoi ne prends-tu pas mes appels? Pourquoi décrocherais-je tes appels? Avions-nous une affaire? Oui, nous avons une affaire, ma reine. Et c'est ce qui nous garde ensemble. De quelle bêtise es-tu en train de parler? Quelle est cette affaire qui peut nous réunir tous les deux? Je ne sais pas. Peu importe, j'ai crédité ton compte avec une somme de 5 millions de lira. Prends cet argent et disparais. Pars très loin de moi. L'argent n'est pas tout pour moi. Quand il s'agit de ce qui importe à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux récupérer mon sang. Quel sang? Je ressemble à une banque de sang? Est-ce que je ressemble à une suceuse de sang? Ou à une vampire? Les sons de qui ai-je déjà? Nous allons bien voir. Comme tu veux faire semblant. Le jeu vient de commencer. Voyons jusqu'à quand tu vas faire semblant, ma reine. Au revoir.
Non. Non, 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 non. Non. Il est temps pour moi de m'occuper de ces problèmes. Avant que ça ne remonte vers moi. Oui. Je dois agir, oui. Avant que ça ne devienne pire. Oui. Il y a un moment, l'élément du service national qui servait dans le collège a été porté disparu, et ce, sans trace. Et ceci n'est pas vraiment normal. Je pense que nous devons aussi impliquer la police avec effet immédiat. Laissons un peu la police en dehors de tout ça, pour l'instant, s'il vous plaît. Moi, je déteste vraiment les dossiers de police. Avant que vous ne les sachiez, ils vont prendre le royaume entier, tout le monde, hommes et femmes, ils vont le mettre sous leur garde. S'il vous plaît, utilisons seulement ce que nous avons pour le moment. Hein, Igwe? Nduka, as-tu peur d'aider la police dans la recherche du jeune homme? Oh non, tu ne me comprends pas du tout. Voici ce que je veux dire. Igwe, nous avons notre propre service de sécurité. Très bien. Alors, commençons d'abord par eux. Les chasseurs, les services de renseignement. Ils vont sortir là-bas, faire la recherche. Mais si on voit qu'ils ne trouvent toujours rien, alors là, nous allons chercher de l'aide. C'est bon, hein, Igwe? Mais commençons d'abord par eux. C'est ce que je dis. Ah non, il a vraiment raison. Ok, d'accord. Au moins pour la première fois dans sa vie, il a fait une suggestion remarquable. Regarde-toi. De toutes les façons, je pense que Mazia a raison. Ah, mais oui, c'est ça. Mmh. Commençons d'abord à travailler à l'interne. Hein. Commençons avec ce que nous avons. Oui, c'est ce qu'on doit faire. Je dois chercher dans le réseau des hommes intelligents, aller vers les vigiles ainsi que des chasseurs. Surtout ces chasseurs-là, nous devons nous déployer et puis chercher. Bien sûr, nous devons aller à la police. J'ai le numéro du commissaire de la police. C'est très bien, mon roi. Et l'inspecteur général, ce n'est pas un problème. Mais nous devons d'abord faire quelque chose. On doit quand même utiliser ce que nous avons d'abord. Oui, on commence par ce que nous avons d'abord. Oui, il a raison. Angèle, s'il te plaît. Angèle, s'il te plaît, attends-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me veux? Quoi? Ekene, où est ta voiture? Ta voiture? Tu n'arrives plus à parler? Ekene, tu as fait de moi un objet de manquerie dans ces villages. Les gens se moquent de moi partout. Angèle, pourquoi tu parles comme ça? Hein? La personne en question, c'est mon frère. Hein? Je l'ai fait pour le bien de mon frère. Je dois l'aider à sortir de la prison. Oh, s'il te plaît, épargne-moi cette bêtise. Écoute, je crois qu'il est temps qu'on se donne une pause. Je ne peux pas manger dans une assiette en or et plus tard manger dans une assiette sale en plastique. Je ne peux pas. Angèle, s'il te plaît, je t'en supplie. La personne en question, c'est mon frère. S'il te plaît. Et après quoi? Prends-moi, s'il te plaît. Je vais me rattraper, s'il te plaît. Je le fais pour son bien. Une autre voiture viendra, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'avais dit de ne pas la vendre. Mais tu l'as quand même fait pour par après me dire que d'autres voitures viendront. S'il te plaît, donnons-nous une pause. Angèle, s'il te plaît, non. L'argent que je dépensais sur toi venait du même... S'il te plaît, arrête de me suivre. De combien parles-tu? As-tu oublié ce que je t'ai donné? Ça, tout ça? Peux-tu le comparer avec ton argent? Je ne conviens pas. Foutaise. Je ne suis pas en train de nier ça, non. L'argent qu'on gaspillait venait du même frère. Puisque Igwe pense que je suis en train de plaisanter, personne dans ce village n'épuisera ou ne boira cette eau. On verra bien. Jusqu'à ce que Ikem soit retrouvé. Je parle des choses sérieuses, tout le monde se met à rire. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Je pêche. T'as pas vu de l'eau, mon filet? Je pêche le poisson. Ne comprenez-vous pas ce que je fais? Écoute, Monica. Hein? C'est une abomination pour quelqu'un de barricader la voie qui mène à notre ruisseau. Veux-tu qu'on déshydrate et meurt? Nous mourrons tous. C'est quelqu'un dans ce village qui mourra. Si vous ne dites pas sa majesté de retrouver mon petit ami.
Écoute, Monica, le roi est en train de faire quelque chose de sérieux par rapport à la disparition du jeune homme. Hein? Donc, s'il te plaît, enlève ça afin que nous puissions boire de l'eau, sinon on mourra tous. Est-ce que cela me concerne? Vous pensez que je suis en train de plaisanter? Jusqu'à ce que je retrouve mon homme, personne ne passera ici. C'est lui qui en a marre, qui vient de passer cette bande. C'est une affaire sérieuse. Monica, tu veux que nous mourions de soif? Et tu sais que l'eau est vraiment essentielle à la vie. Et c'est le seul ruisseau que nous avons dans ce village. Tu te prends pour qui? Avec ces bérets rouges. Tu crois que je perds de toi? Viens, non? Traverser où? Personne ne boira de cette eau jusqu'à ce que je retrouve mon homme. Ce n'est pas de la blague. Non, je ne veux pas toucher à ça. Mais Monica, c'est... Ce que tu fais là, juste, ce que tu fais là, vraiment, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien. Vous allez trembloter en mourant. Comme ça. C'est très injuste. Ce n'est pas bon, Monica. Ok, c'est bien. Continuez. T'inquiète pas. Crachez le français. Igwe va apprendre ça. On va rapporter ça à Igwe. On verra. Approchez. Si vous êtes des hommes, osez. Approchez. N'importe quoi. C'est mauvais ce que tu fais. C'est notre seule source d'eau. Arrête de faire ça. Venez chercher de l'eau. Venez puiser. Mais Monica, ce n'est pas juste. Ce que tu fais n'est pas juste. Vraiment, mais pourquoi elle fait ça? C'est pas... Oui, inspecteur. Oui. Oui. Oui, je suis au courant de ça. Je suis au courant. Ils sont déjà en plein travail. Oui. C'est juste que... Je dois être sûr des faits réels. Oui. Non. Ah, ok, d'accord. C'est juste que, bon, je vous reviens. Oui, je vous reviens. Merci. Igwe. Igwe. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a? Igwe, c'est Monica. Monica. Qu'est-ce que Monica a fait? Pourquoi tu es essoufflé comme ça? Igwe, Monica a utilisé un rameau pour barricader... notre voix au ruisseau. Personne ne peut aller là-bas pour puiser de l'eau. Igwe, c'est de l'abomination. C'est quoi cette affaire, ça? Igwe, je ne saurais le dire. Elle est folle. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec elle? Comment est-ce qu'elle peut barricader le seul chemin qui mène vers notre source? Mais Zéoudé, l'eau c'est la vie. Veut-elle que tout le monde puisse mourir de la soif? Ça c'est notre seule source d'eau. Igwe, elle a même juré que quelqu'un qui ose toucher à ce rameau sera frappé à mort par Abadior. Igwe, je ne sais pas ce qu'elle a mis dans ce rameau, à part notre rameau traditionnel. Igwe, je ne comprends pas la fille là. La fille là veut de la guerre. Oh Guiné, je ne sais pas. Hein? C'est quoi tout ça? C'est quoi? Oh Guiné. La fille avait quelque chose. Monica. Maman. Ça fait maintenant 2 semaines que tu as barricadé la route pour la rivière. Les gens n'arrivent plus à accéder à la rivière pour puiser de l'eau. Les gens ne savent plus quoi faire parce qu'on ne peut pas cuisiner sans de l'eau. Hein? Parce que tu as barricadé la route. Je t'en prie, va enlever ces histoires. Je ne l'enlèverai pas. Maman, ça restera là. Jusqu'à ce qu'ils le prennent au sérieux, je ne l'enlèverai pas. C'est lui qui se croit le plus fort, qu'il aille l'enlever, on verra. Monica, tu punis les innocents qui n'ont aucune idée de tout ce qui se passe. S'il te plaît, je t'en prie, va enlever cette barrière. Moi de même, j'ai besoin d'eau, maman. Ce n'est pas pour rien que je prends les oranges, c'est pour me désaltérer. Ils seront privés d'eau jusqu'à ce qu'ils fassent l'essentiel. C'est comme j'ai dit avant, celui qui osera aller l'enlever, il en vivra les conséquences. Monica. Maman. Monica. S'il te plaît, va enlever ça. Je suis ta mère, je t'en prie. Elle est où cette fille?
qui veut jouer avec toute la communauté. Elle se prend pour qui? Elle va me voir aujourd'hui. Donc nous allons souffrir, nous tous là, au nom de Monica. C'est quoi ça? Elle est où d'abord? Oui, Monica. Monica, écoute, laisse-moi te dire. Tu ne peux pas mener tout le village dans ta folie là. Maintenant, toute ma maison a besoin d'eau. Mais aucun accès à la source. Tout ça à cause de toi. C'est cette soif qui tuera tous les membres de ta famille. Puisque hein? Tu viens jusqu'ici pour me causer des troubles. Tu m'as déjà vu chez toi. Quel jour tu m'as vu chez toi? Maintenant que tu reviens pour la énième fois, après beaucoup de temps, c'est ce couteau-là qui décide est-ce que tu de réfléchis? Votre sort. Je l'ai encore ici avec moi. Je ne l'enlèverai pas. Sa Majesté m'a demandé de te dire qu'il ne te donne que 2 heures pour aller enlever ce que tu as mis là-bas. Sinon, tu feras face à sa colère. Attends-moi là, j'arrive. Attends-moi là. Hein? Monica. Monica. Arrive. Ah. Ha. Il faut parler à ta fille, oh. Parle-lui, oh. Quoi? Hé, hey, Monica. Hein? Monica. Monica. Monica, qu'est-ce que tu fais avec le fusil de ton père? Toi, je lui lance juste 2 balles. Monica, ne tire pas. C'est le fusil de ton père. Maman, laisse-moi les tuer. Ils sont égoïstes. Ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne s'occupent pas du mien. Et où? Ego, c'est un sérieux problème. Je pense qu'on aille doucement avec la fille là, Monica. Puisque personne ne peut défaire ce qu'elle a fait. Mon peuple est déjà en train de demander de l'eau. Ouais. Aïe! Garde, répondez. Garde. Votre Majesté. Majesté. Oh Guinée, qu'est-ce qu'il y a? Oh Guinée. Oh Guinée. Igwe. Comment ça s'est passé? Majesté, j'aurais pu être mort en ce moment. Majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Monica m'a pointé une arme. Igwe, je pense qu'il faut impliquer la police dans cette affaire. Sinon, Monica va nous tuer tous. Regardez ce qui vient d'arriver. Oh, ma reine, mon amour. Attends, laisse-moi le faire, laisse-moi le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Tu sais quoi, tu es vraiment douce. Merci. Ah, ma reine. Ah, ah. Toi, tu as pris ma gentillesse pour garantie. Ah, ah, ah. Espèce de fou, va pourrir en enfer. Ah, oublie que je suis ah, idiot. Ah, 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 ah. Insensé. Maman. Maman. Emeka, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pas de nourriture, pas de repos pour prendre ma douche? C'est quoi cette stupide question?
Es-tu nouveau dans ce village? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas que ta sœur a mis la barrière sur la route de la rivière? Hé, j'ai pas compris. Est-ce que c'est le ruisseau qui a avalé le jeune homme? Elle a dit du fait que la famille royale refuse de relâcher le stagiaire, personne ne va manger, personne ne va boire de l'eau ou personne ne va se laver dans ses royaumes. Donc, c'est la raison de la pénurie d'eau dans cette maison. Yeah. Honnêtement, moi, je ne savais rien. Tu as intérêt à lui parler. Tu as intérêt à parler à ta sœur. Oh, parle-lui, parce que tout le villageois s'est plaint de cette attitude insensée. Donc, tu dois lui parler. Parle-lui, Emeka. Ah. Ma sœur aussi, hein. Cette fille a décidé de faire souffrir tout mon peuple à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme. Papa, il mérite d'être arrêté. Pour priver au peuple une chose très capitale. Non. Non. J'ai déjà mon plan. Nous avons suffisamment d'eau. J'ai juste pitié de pauvres, vulnérables de ce royaume. Mon amour. Mon amour, est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je ne me sens plus à l'aise avec tous ces drames. Je suis fatiguée. En tout cas, je n'en peux plus. Angèle, s'il te plaît, hein? Pardon, pitié non. Pourquoi tu me traites comme ça? Est-ce parce que je suis devenue fauchée? Oui, c'est parce que tu es fauchée, tu n'es plus en mesure de prendre soin de tout ça. Tu ne peux pas. Hey, ma seule rayon solaire, hein? Toi seule qui me donne la joie. Pourquoi tu me traites comme ça, hein? Après avoir fini tout mon argent, pourquoi? Tu bouffes aussi mon corps. Je te le donnais à chaque fois que tu en avais envie. Donc on est à 50-50. C'est fini, s'il te plaît, point final. S'il te plaît, pas maintenant, s'il te plaît, hein? Tu sais que je n'aime pas la vie sans toi. S'il te plaît, je t'en supplie. Raison de plus pour que je te laisse tomber. Tu es fauché. Salut Angela. C'est elle qui a acheté ta voiture? Qu'est-ce que tu as demandé? Demande encore, non, je veux juste t'écouter. Et Kené? Tu sais quoi? Tu es vraiment une folle.
La plus grande. Je dis bien une très grande folle. Et je l'ai bien dit tout haut. Emeka, es-tu en train de dire que l'espoir s'est envolé? Que je ne peux plus récupérer mon homme? Ifama, n'aie pas de pensée négative. Mais c'est ce qui se passe. C'est pas ça. Je l'ai perdu pour Angela. Attends, laisse-moi réfléchir d'abord. Ok, j'ai une idée. Une idée? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'idée en question? Tu vas ton gars là, Ikené? Le gars là vraiment déconné. Je sais. Voici ce qu'on va faire, hein? Nous allons... Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu m'as appelé, mais tu ne dis rien. Oui, mais calme-toi. Tu vas bientôt savoir pourquoi je t'appelais. D'accord. J'attends toujours. Oui, calme-toi, mon ami. Tu ne dis rien. Je ne peux pas t'appeler juste pour rien comme ça. Attends, attends, tu verras. Vraiment, hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'ils font ici? Calme-toi, c'est bon. S'il te plaît, écoute-nous bien. Après avoir entendu tout ce que nous aurons à dire ici, si tu veux partir, tu peux toujours partir. Mais pour le moment, mettons juste nos indifférences un peu à côté et parlons de ce qui est vraiment important en ce moment. S'il te plaît. Je suis à l'écoute. Emeka, je reconnais vraiment ton courage. Après toutes les indifférences qu'on a eues avec notre chef, mais tu as quand même toujours... Tu as quand même voulu faire ça. Ekene, il s'agit de toi ici. Si nous sommes là, c'est parce qu'il s'agit de toi. Je sais que tu penses que tu sais tout. Mais en ce moment, tu as besoin d'aide. Et c'est ça la vérité. Merci, Madou. Président, je veux suggérer. Nous allons essayer de faire un test pour voir si Angèle t'aime réellement. Il ne s'agit pas de la beauté et de la forme. L'essentiel est de savoir si l'amour est réel. Alors je suggère qu'on fasse un test. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Madou, dis-lui ce dont nous avons discuté. En fait... Ekene, tu sais que je ne faisais que blaguer. Tout ce que je racontais n'était que du blague. Tu sais que je suis une bonne fille. Ça suffit. Gifle-la, gifle-la. Merci pour ces jeux. Ekene Gelenjen. Sinon, si ce n'était pas à cause de ces jeux, je n'allais pas récupérer mon homme. Tu n'es pas assez bonne pour être une femme de foyer. C'est vraiment ça, bébé. Ekene, tu sais que je t'aime. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Faut-moi gifle-la. Ça suffit. Faut-moi gifle-la, non? Tu lèves seulement la main? C'est entre les femmes, oh. Entre les femmes. Je ne peux pas me battre. Chérie, je dis... Battre avec une femme c'est comme pas toi. À toi que je m'adresse. Je parle à Ekene. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ekene. N'ose Angèle. Plus sortir un mot. Angèle. Ekene. J'ai t'averti. Va t'asseoir. Disparais de là. Ekene, nous pouvons en parler. Va-t'en, non. On peut en parler de quoi? On peut en parler, Angèle. On peut en parler, mais pas aujourd'hui. Un autre jour, peut-être. Ifama, donne-lui un père mais de si gifle. Tu peux pas comprendre? N'importe quoi. C'est parce que tu es la fille de la ville ou quoi? J'ai pitié pour toi, On. Hein? Désolée, oh. Mon gars.
Je suis désolé pour toutes choses. J'avais mal compris tes intentions. S'il te plaît, pardonne-moi, ok? Tu es notre président, non? Tu es notre président. Mon gars, je vais me rattraper, ok? Moi, je suis loyal. Président. Merci énormément, Emeka. D'accord. Merci. Mon ange. Elle est contente. On t'envoie encore, bébé. D'accord. Ouais, allons-y. Montez. Souviens-toi de mon reliquat. Oh. Je ne veux pas venir demain, tu me diras que tu n'en as pas. Hey, bon après-midi. Madame. S'il vous plaît, je cherche le royaume de Oumouézé. Je crois que je me suis perdue. Ici, c'est Oumouézé. Oh, vraiment? Ouais. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je cherche le fameux lycée. Mon fils est là, il enseigne là-bas. Famous. Ouais, c'est votre fils qui est Ikena. Oui, c'est mon fils. Vous le connaissez? Ah, madame Ikena portait disparu. Oh. Quoi? Non, mon fils ne peut pas disparaître. Ça me fatigue. Madame, je pense que la famille royale sait ce qui est arrivé à Ikena. Je pense qu'ils savent quelque chose au sujet de sa disparition. Hé, hey, s'il vous plaît, c'est où la direction de la famille royale? Ok, si vous avancez un peu, hein. La première vont à gauche. Le premier portail. À votre okay. gauche, le premier portail. Okay. Frappez à ça. Madame, protestez, ouvrez vos yeux. Okay. Notre roi est têtu. Okay. Dites-leur de faire sortir votre fils. Merci beaucoup. J'apprécie. Rien, madame. Hein? Madame, papa, protestez. Prends cette direction. Ne vous calmez oui, pas. Qu'il fasse sortir votre fils. Protestez. Allez, vite. Il faut secouer le roi. Il est têtu. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Votre Majesté, nous serons assoiffés pour combien de temps? J'ai demandé à tout le peuple de venir ici au palais pour prendre de l'eau. Papa, comment pouvais-tu? Et alors nous? Nous aurons aussi besoin d'eau. Tais-toi, petite insolente. Ferme ta bouche, le Séné parle. Majesté, quelqu'un est là pour vous voir. Qui est-ce? Elle dit que son nom est Bianca. Demande-lui d'entrer. Madame Bianca. Bob. Oui. Bob est Sinodegu. C'est oui. bien toi, vraiment. Oui. Non. Non, ce n'est pas Bianca, vrai. Je ne crois pas. Non. Rentre. Mais tu vas où? Oh, viens t'asseoir. Entre. Prends place. Assieds-toi, s'il te plaît. Votre Majesté, qui est-elle? Son nom, c'est Bianca, une fois. Une très ancienne collègue de classe. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. C'est ma très aimable femme. Ah, Bianca. Dis-moi, où étais-tu passée? Où étais-tu passé pendant toutes ces années? Et le plus important,
Qu'est-ce qui t'amène ici, dans mon royaume et dans mon palais? Je cherche mon fils. Oh, vraiment? Oui. Ton fils est dans son royaume? Notre fils, Ikena. Quoi? C'est pas vrai. Écoute, c'est pas la fin du monde. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Écoute, il est parti poursuivre ses études à Londres, c'est tout. Vivienne, ça ce n'est pas le problème. Ça ce n'est même rien. Oui, il me manque beaucoup. Vivienne, je suis dans le trouble maintenant. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Vas-y, parle, je suis ton amie. Vivienne, ma mère, elle a découvert. Elle a découvert que tu sortais avec lui? Vivienne, elle a découvert que je suis enceinte. Quoi? Bianca, enceinte? Calme-toi un peu, s'il te plaît. C'est une erreur. Qui en est le responsable? C'est lui. Ou bien c'est... Hey! Ok, alors, que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Et ma mère s'est décidée que j'aille cohabiter avec sa petite sœur à Lagos. Je ne sais quoi faire. Je me sens tellement abattue maintenant. D'accord. Alors, pourquoi ne pas le dire à ses parents? Sa famille, je ne connais aucun membre de sa famille. Je ne sais même pas d'où il vient. Je ne connais rien de lui. Je ne connais rien à propos de lui. Notre relation n'a duré que d'un mois. Et tu l'as permis de te faire tomber enceinte? C'est une erreur. C'est une erreur. Vivienne, je suis finie. Allez, c'est bon. Je Ça suis va aller. Finie, Vivienne. Arrête je de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Je suis finie. Ça suffit. Je suis finie, Vivienne. Arrête. Suis-tu là? Ça va aller. Ok? Allez, je suis arrête. Finie, Vivienne. S'il te plaît. Allez. J'avais quitté ma famille et les collèges pour les gosses où j'avais accouché. Je lui ai dit que tu étais mort à cause des douleurs et du chagrin que tu m'as fait vivre. C'est ton fils, notre fils. Non, non, ça ce n'est pas vrai. Moi non plus, je n'y crois pas. Tu veux dire qu'Inkena est mon fils? Oui. Ah. Quoi? Ouvrez cette porte! Ouvrez-moi cette porte! Non, reste là! Ne blague pas! Reste là, s'il te plaît! Ne blague pas! Reste là! Reste là! Si tu crois que tu portes, ne te trompe pas! Oh. Fais gaffe! Fais attention avec moi! Nous devons mettre fin à cette affaire. Igwe, vous devez ouvrir cette histoire. Si vous voulez que j'enlève cette barricade, amenez-moi mon petit ami ici. C'est ça la condition que je vous donne. S'il n'est pas retrouvé, je vais faire écrouler cette maison. Si vous avez besoin d'aller encore à la rivière pour puiser de l'eau et en faire tout ce que vous voulez, je dois retrouver Ikem. Igwe, dites-le à vos gardes. Sinon, je vais tout saccager. Je mettrai tout par terre. C'est à cause d'elle qu'il a été pris en otage, kidnappé ou je ne sais moi quoi. Vous devez les libérer aujourd'hui, sinon tout sera en destruction. Monica, Inkena est mon fils. Vous dites? Je dis qu'Inkena est mon fils. J'entends bien ce que vous dites, mais je ne comprends rien. La femme devant toi est la mère, mon premier amour, une ancienne collègue de classe. C'était la mère d'Ikem. Oui, c'est mon fils. Hé, hey, maman, c'est moi son ami.
Adézé. Adézé, ça fait un moment que j'attends que tu me présentes quelqu'un. Et maintenant, vas-tu épouser ton frère biologique? Votre Majesté, il y a des policiers qui sont là pour vous voir. Laisse-les entrer. Qu'ils entrent, on va se mettre sous la même bande. Je vous salue, Majesté. Bien. Tu me croyais mort, n'est-ce pas? Je suis là en chair et en os. C'est le nettoyeur à l'hôtel qui m'a sauvé. Qui est cet homme? Réponds au roi. C'est bien votre ami. Hugo Dieu, je te pose une fois de plus la question. Qui est cet homme? C'est à vous qu'on pose la question. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Où est-ce qu'elle s'en va? Votre Majesté, la reine et moi avons une relation extra-conjugale pour un long moment. La vérité finit par triompher. Hugo Dieu, tu as entendu ce que cet homme a dit? En fait, la princesse Adézé ici présente est ma fille biologique. Et je suis là pour la prendre avec moi. C'est pas vrai. Maman, dis-moi. S'il te plaît, dis-moi qu'il est en train de mentir. S'il te plaît, mentir. C'est ton père. Dis-moi la vérité. On n'est ni pas le sang qui coule dans ses veines. Aujourd'hui, tu rentres à la maison. Enfant prodigue. Plus question de couronne ni de robe soirée pendant le jour. Allez, lève-toi. Suis ton père. Va à la maison. Va chez toi. On verra où tu feras encore la bouche avec des gardes et des servantes. Cette infidélité de ta mère date de longtemps. Avant même que tu ne naisses. Hey! Ce monde est vraiment rempli de réalité. Hugo Dia, je te pose une fois de plus la question. Ce que cet homme est en train de dire, est-ce vrai? Oui, votre majesté. Mais non. Mais non. Votre majesté, c'est la vérité. Adézé et sa fille, désolée. Ah non. Tu vois combien je suis fidèle. Je t'ai promis de ne jamais le dire à personne. Te voilà aujourd'hui en train de le dire toi-même. Je suis désolée, votre majesté. Adézé, désolée. Hé, prends la direction de ton père. As-tu vu ton père? Cette petite souris qui manquait de respect à tout le monde. Au nom de la princesse. Aujourd'hui, elle apprend la vérité de sa vie. Allez faire votre foyer. Oh. Tu vois ce que je t'avais dit l'autre fois dans la voiture. Que la vérité finit par triompher. Qui aurait cru que ça finirait ainsi? Craignez-vous. Hey! Cette affaire est très grave. C'est vraiment incroyable. Donc la princesse a vraiment kidnappé Ikena. Mais Hakuna, tu dois être aussi arrêté qu'on va arrêter la princesse. Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne sais rien de cet acte horrible que la princesse a fait en kidnappant Ikena. Et personne n'est au courant. Hey, n'essaie surtout pas de m'accuser. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Le fait d'être la chef-tête des servantes ne signifie pas que je connais tous ces secrets. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête, arrête. Mon frère, tu as raison.
Tu connais tout le mouvement que la princesse effectue dans son palais. Tu la connais plus que nous tous. Et tu dois être arrêté. Laisse-moi. C'est quoi votre problème? Laissez-moi tranquille. Assez avec vos accusations. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. La personne dont vous faites même allusion, elle n'a même pas le trait. Le trait de la royauté. Tais-toi là-bas, tais-toi. Arrête de parler. Vous deux, vous devez être arrêtés. Vous savez tout ce qui s'est passé. Vous deux là, oui, vous deux. Vous devez être arrêtés, vous deux. Arrête-toi là. Arrête tes bêtises. D'où est-ce que ça provient même? Tu veux arrêter de parler? Arrête de parler. Arrête, arrête. Arrête de parler là. C'est vous deux que la police devait arrêter de la même manière qu'elle a arrêté la princesse. Écoutez, si vous faites encore un faux pas ici, je vais aller dire à la police là-bas qu'il y a des complices ici. Vous risquez vraiment que cela arrive chez le roi? Parlez encore. Parlez encore. Et j'écoute, parlez. Vous ne parlez plus, hein? Oumoze Kweno. Oumoze Liano. Mwalo. Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que roi du royaume Oumoze et par le droit de nos ancêtres, je vous proclame ici homme et femme. Igwe. Levez-vous et savourez votre mariage. Mwese Kwedo. Mwedo. Mwedo. Mwese Do. Igwe. Il y a un grand festin qui nous attend dehors. Oui, c'est ça. Inken, tu es maintenant entre le bras de ta femme. Et c'est pour la vie. Où moi c'est quoi, non? Quoi, non?